Alors bonjour à tous, alors qu'est-ce qu'est Kyosho ? Sujet Kyosho. Et là, c'est le début d'une petite aventure que je vais avoir avec la Phaser, c'est je vais vous présenter le kit rallye. Alors je vous avoue que Cyril de Modis 34, il me l'a passé il y a déjà quelques temps, mais c'est en disponibilité tellement réduite, ça m'embêtait de présenter un produit qui était pas facilement achetable en magasin. Là, il y en a un tout petit peu qui sont arrivés, mais ça reste réduit. Et moi, j'en voulais un pour monter sur une Phaser. Il y a très longtemps, d'ailleurs, je crois que j'ai republié récemment, parce que je vous dis « je crois », parce que je ne sais pas dans quel ordre j'ai publié les vidéos, je ne sais pas trop à l'avance, sur la Phaser semi-kit, qui, je trouve, est bien adapté pour ce montage. Et ils ont sorti ça, on a vu ça à un salon à Tokyo. Quand j'avais vu, j'ai dit « putain, ça, c'est sympa », mais quand j'avais vu le prix, j'avoue que j'ai un peu coincé. C'est ça que c'est à peu près, on n'est pas loin de 100 €. Donc ça fait quand même assez mal, surtout que dedans, il n'y a pas quand même énormément de choses. Mais ce qui m'a convaincu, c'est quand j'ai reçu cette voiture-là. Alors pour moi, c'est l'année, alors on est à la fin de l'année 2023, hein, toute fin. Noël, c'était hier, d'ailleurs je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. J'espère qu'il y en a qui ont eu cette belle voiture. Moi j'aurais bien aimé l'avoir sous mon sapin, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est la Phaser, la nouvelle Subaru. Ne vous plantez pas si vous en voulez une. Il y a une 2006, je crois, et là, c'est la 2002. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et j'ai vu, il y a pas mal de boutiques qui sont embrouillées dans les photos, tout ça, parce que ça n'a pas été, la communication, je trouve qu'elle n'a pas été super. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas l'équipement. Ils ont confondu avec l'autre version. Et franchement, elle est topissime, cette voiture. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Sur la Phaser, de toute façon, ça manquait sur la Phaser, c'était une version rallye. Parce que les versions circuit, on peut rouler que sur le goudron, donc on est hyper limité au niveau surface d'évolution. Tout le monde n'a pas un club à côté de chez lui, un parking, ça va 5 minutes hein, de rouler en rond. Avec une version rallye, mais avec une bonne garde au sol, déjà, on peut s'aventurer dans d'autres endroits. C'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus universel comme utilisation. Et là, ils ont fait une voiture, je vous invite à regarder la vidéo, hein. Il y a de la garde au sol, la suspension, c'est, même si c'est un peu pompe à vélo d'origine, mais c'est juste un réglage, c'est rien. C'est vraiment très bien. Moi là, je félicite Kyosho. De toute façon, je le dis à chaque fois, mais c'est ma marque de cœur hein, préférée, avec Tamiya assez différent, c'est plus le côté maquette à monter, quoi. Voilà le compte montage. Mais moi, en compétition, j'ai souvent roulé avec du Kyosho, j'ai très bons souvenirs de la Kyosho Cup, quand je passais les voir hein, directement à l'époque de FDL, directement je passais souvent le vendredi les voir, tout ça. Moi j'adore cette marque, mais malheureusement j'ai plus trop, à chaque fois je compte sur Cyril de Modis 34 pour présenter leurs produits, donc c'est pas évident quoi, lui il peut pas tout faire, donc là, cette version j'aime bien, alors donc ça m'a convaincu, j'ai dit, il me faut que j'en monte une, mais comme on ne peut pas acheter une voiture neuve et que j'ai déjà une version semi-kit, ça fait un an et demi que ça traîne dans un coin, que je cherchais l'idée pour faire le montage, ben, on va l'utiliser pour faire le montage de cette version rallye. On va essayer d'améliorer plein de choses, on va vraiment faire de la préparation. On ne va pas juste se contenter de monter une voiture de base. Alors là, cette vidéo, c'est juste pour vous présenter ce qu'il y a dans la boîte, mais après, quand... Je vous inviterai à regarder, si vous êtes intéressé, toute la préparation de la version semi-kit. Et là, vous aurez tous les détails. On va bidouiller. Vous allez voir, il y a plein de trucs à faire. Et on va avoir une voiture. Je suis sûr que ça va être de la balle parce qu'elle est vraiment... franchement, comme elle est là, avec les suspensions, hein, je parle, hein, elle me plaît vraiment beaucoup. Et l'avantage par rapport au TT01, TT02, hein, c'est leur concurrent, c'est les seuls concurrents, hein, je parle, dans les voitures qui sont normalement distribuées en France. Et où on trouve facilement les pièces, tout. Il y a quand même un monde d'écart, c'est quand même des voitures beaucoup plus modernes. Je rappelle qu'il y a les coupes coniques en métal, ce qui n'est pas le cas des Tamiya. Il y a tout roulement, il y a les amortisseurs hydrauliques, ça aussi, ce n'est pas le cas des Tamiya. Enfin voilà, et c'est quand même des suspensions, il y a des réglages qu'il n'y a pas sur les Tamiya.
Voilà, c'est différent, c'est pas la même clientèle. Et moi, bon, bah, moi j'aime les deux, donc voilà, ça tombe bien. Allez, ce qu'on va faire, donc ça va être rapide, hein, on va ouvrir cette boîte et on va voir ce qu'on a pour 100 euros. J'avoue qu'il faut aimer Kyosho. Et de toute façon, je vois que souvent je tique sur les prix. C'est vrai que je me limite souvent, hein, c'est pour ça qu'on ne vous présente pas des modèles hyper haut de gamme, parce que je me dis, la RC c'est tellement cher, et c'est tellement, je vois tellement sur internet tout ça que des modèles. Des fois qui valent 1000 euros plus, moi c'est un peu des délires, mais apparemment il y a la clientèle pour ça. Mais est-ce que je dois vraiment me choquer? Parce que je sais pas. Là je me pose une question, moi ça me paraît cher, mais peut-être que d'autres ils diront. Mais voilà, de toute façon, les marques, il y a même des marques qui sont pas très connues, qui sont loin d'avoir le prestige, même s'ils sont la mode actuellement de Kyosho. Kyosho c'est vraiment la marque historique. Avec Tamiya, et il y a des marques qui sont beaucoup plus récentes, mais à la mode, et qui de toute façon ont des tarifs similaires. Donc, bon, ça ne devrait pas me choquer plus que ça. Allez, on regarde la boîte. Alors, j'ai mis devant moi les éléments du kit. Hein. Alors, là, vous avez donc les références, hein, le kit conversion. À savoir que Cyril, il lui en reste un tout petit peu en stock, faites attention, il a commencé à rentrer les pièces spécifiques qui ne sont pas encore toutes dispo. Ça, faut faire attention, mais bon, c'est du balèze. Hein. Je pense pas que ça cassera comme ça et ça va arriver. Et je rappelle au passage, hein, comme tout le reste, que vous avez, je le mets au début de chaque vidéo, un code réduction qui vous donne 5% sur l'ensemble du site Modélisme 34. Il suffit d'être enregistré, hein, 5 sur les voitures, sur tout l'ensemble du site. Donc, encore merci, hein, Cyril, hein, pour nous permettre de faire cette présentation. Alors, déjà, on va commencer. Il y a une notice. Donc spécialement, voilà, spécial rallye. Et là, vous avez donc le contenu des différentes grappes. Hein. Donc, il y a pas mal de choses qui changent. Hein. Déjà, les amortisseurs, je crois que c'est plus des volumes constants, donc à membrane. C'est à émulsion. On y reviendra, hein, lors du montage. Là, vous avez les ressorts spécifiques, les supports d'amortisseurs. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui changent, hein. Notamment aussi les triangles, les supports. Et là, vous avez, voilà, on le voit, hein. Je vais regarder vite fait, regardez, c'est des amortisseurs à émulsion. Bon, ça c'est étrange, enfin ouais, pourquoi pas. Peut-être plus efficace, on verra. J'ai un peu de mal à tourner les pages. Voilà, enfin bon, vous avez une notice, même si j'arrive pas, c'est pas grave. Vous avez tout le montage qui est vraiment détaillé, et à la fin, vous avez une fiche de réglage. Voilà. Donc ça, par contre, c'est uniquement en anglais et je pense, japonais. Vous avez donc ici les ressorts. Alors, si c'est les mêmes que je vous l'ai montré vite fait tout à l'heure, mais que sur la Subaru, ils sont hyper bien calibrés, ça va nickel. Ici, on a les supports amortisseurs. Alors, tout ça, je le prendrai en photo. Hein. Ça sera vraiment détaillé sur le forum. Je vais faire toutes les pièces et je vous donnerai les références. Voilà, un avis surtout si je vois. Enfin, moi, à regarder comme ça me paraît hyper balèze, donc il n'y a pas de souci. Mais si je vois un défaut, je vous le dirai. Ici, on a de la visserie, des entretoises aluminium. Ici, c'est toutes les pièces, les tiges d'amortisseurs, enfin les amortisseurs quasiment complets, je pense, hein. Donc, ils sont quand même assez différents des amortisseurs d'origine. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Je suis sûr qu'ils sortiront après avec les corps alu. Mais franchement, en statique, les plastiques, ils paraissent vraiment très bien. Et ces fameux bouchons à émulsion. Alors, ça me surprend un peu plus. Et là, on a tout ce qui est triangulation. Alors, ils sont. Si vous avez regardé la vidéo de la Subaru, je pense que je l'ai publiée avant. Je vous avoue, je ne sais pas toujours dans quel ordre. Vous verrez, hein, je compare les triangles d'origine avec les triangles, enfin d'origine, des versions touring classiques à la version rallye. Et ceux-là, ils sont renforcés. Enfin, ils sont assez différents. On a les colonnettes. On a le pare-choc. Le pare-choc qui est hyper différent. Et ça, c'est très bien. Voilà, on a toutes les pièces, là, je regarde, des entretoises, tout. Donc voilà, là, on a de quoi faire, on a de quoi monter, en fin de compte, n'importe quelle version en rallye, hein, une version piste en rallye. Alors ça, c'est très bien, parce que vous allez voir, regardez, alors, je retire la carrosserie. Moi, la carrosserie, j'ai pris une version semi-kit, parce que déjà, on ne peut pas se payer un nouveau kit, mais surtout, c'est parce que ça va me permettre de choisir ma carrosserie. Voilà, je vais mettre sûrement une carrosserie pas chère à Cyril, là, un peu originale. Il en a plein qui doivent se monter là-dessus. Il a des 200, des 206, des 205, enfin voilà, un peu de tout.
même des deux chevaux, enfin voilà, on va voir des coxes, on va voir le délire qu'on peut faire. Et surtout, en partant d'une version semi-kit, on peut choisir l'empattement. Je rappelle qu'il y en a au moins deux, normalement il y en a trois, je crois, au moins deux que je connais. Et ça permet aussi d'adapter des carrosseries différentes, mais aussi d'avoir un comportement différent. Avec un châssis court, ça sera plus maniable qu'avec un châssis long. Alors, ça dépend où on roule. Moi, en rallye, ça me paraît mieux d'avoir un châssis court, par exemple. Alors, ça, c'est la version rallye. Et regardez, elle est suspension. Voilà, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent les versions standard, regardez le débattement qu'il y a. Pour une version rallye, c'est énorme et surtout, c'est hyper onctueux. Il y a plusieurs positions pour les amortisseurs. Et à l'arrière, regardez à l'arrière. Hey, c'est pas chouette, ça? Franchement, ça, c'est vraiment top. Donc, ça, ils ont vraiment réussi l'adaptation rallye. Là, c'est quasiment un TT 1 dixième. Hein. Pour moi, ça a une garde au sol de TT 1 dixième, tout. Mais bon, la version rallye. Et regardez à l'avant ce fameux pare-choc. Normalement, là, c'est plat. Et là, c'est relevé. Donc, la mousse est beaucoup plus haute. Donc, elle va offrir une vraiment très bonne protection sans gêner. Ça va protéger la carrosserie sans racler au sol. Et ça, c'est pas possible quand on fait, par exemple, la version que je vous ai fait sur une base d'Alpine pour Didier. Le problème qu'il y a, c'est que ça a tendance, il faut vachement recouper la mousse parce que ça a tendance à toucher sur l'avant. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer hein, cette version, donc ce kit conversion. Si vous en voulez, ne tardez pas trop parce que ça, c'est, j'ai vu qu'il y a régulièrement des ruptures. Alors, peut-être qu'ils ont été, je sais pas, timides un peu aux commandes, je sais pas, parce que c'est vrai que le prix quand même. Moi, c'est le seul défaut que je lui trouve, c'est le tarif. Alors, en parlant de tarif, ce kit conversion, je pense qu'il est aussi intéressant de partir d'une base, par exemple, quelqu'un qui a déjà une version RTR. Par exemple, voilà, alors celle-là ne serait pas bonne au niveau carrosserie pour la transformer, bien sûr, en rallye, mais on peut partir sur la base, sur le châssis. Si on calcule une version semi-kit, c'est environ 180 euros, mais il y a 80-90 euros d'options dedans. Voilà. Et donc ça, c'est les calculs qu'il faut faire. Ou alors, je parle là pour un débutant hein, qui voudrait se lancer là-dedans, dans la transformation. Ou alors partir d'une version RTR qui vaut entre 290 à 330 euros sans les modèles, mais elle qui a pas, qui a bien sûr le moteur, qui a la radio, tout ça, mais qui a pas les options de la version semi-kit. Hein, je rappelle, c'est les cardans homocinétiques avant, c'est déjà 50 euros. Et le support, le cardan central. Voilà, donc ça, si on compte, je me suis peut-être un peu mélangé dans les 50 euros. Je sais plus combien c'est exactement le prix. Comment j'ai calculé ça, moi? Ouais, c'est plutôt entre 70 et 80 euros, voilà, d'option. Donc tout ça, c'est des calculs qu'il faut faire. Pour ça, si vous êtes intéressé, je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'ai faite sur la version semi-kit et de faire vos calculs. Moi, personnellement, pour monter ce kit, j'ai choisi la version semi-kit, c'est déjà parce que j'en avais déjà une. Mais aussi, ça va me permettre de vous faire toutes les vidéos préparation, que ce soit au niveau des différentiels, des suspensions, voilà. On va vraiment beaucoup bosser sur la voiture pour en faire un bolide, parce que moi, où je vais tourner, au domaine Bois de Rose, on a un circuit rallye, et voilà, bah, je ne voudrais pas prendre des branlées à chaque fois, hein, parce qu'il y en a qui tournent vraiment fort, il y en a qui s'entraînent beaucoup. Donc ça, je pense que ça risque d'être une arme redoutable, celui-là, par rapport aux versions, surtout si on compare un TT02 rallye, ou alors à une Phaser, transformé sur une base d'origine, hein, juste en changeant l'échappe et en changeant les pneus. Ça, je pense que ce sera quand même redoutable. Voilà, donc je voulais faire cette présentation. N'oubliez pas de liker les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de venir nous rejoindre sur le forum où je mettrai bien sûr toutes les photos. Et aussi, je tiens encore une fois à remercier Cyril. À bientôt.